Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Splatfest. Et oui, Nintendo nous avait annoncé il y a quelques mois la fin des festivals de Splatoon 2. C'était terminé, il n'y en aurait plus. Finito. Et il y a quelques semaines, surprise, le truc qui vient de nulle part, ils nous refont un Splatfest sur le thème ketchup mayo. Donc c'est le premier thème qui avait été choisi pour le premier festival dans Splatoon 2. Donc ben voilà, il y a récidive, voilà, on a été vraiment super surpris. Alors évidemment il y a plein de spéculations, hein, c'est-à-dire pourquoi Nintendo nous ressort un Splatfest alors que c'était prévu qu'il n'y en ait plus du tout. Donc évidemment on attend peut-être à la suite de ce festival des nouvelles d'un Splatoon 3. Enfin voilà, il y a des spéculations qui ne serviront certainement à rien, ça se trouve ils ont fait ça comme ça, on va dire. Mais en tout cas, ça fait plaisir, hein, on va pouvoir se refaire un peu du Splatfest. C'est pas pour nous déplaire. Donc voilà, là je fais l'inauguration, ça vient juste de commencer. Des vidéos avec les potes quand ils seront disponibles. Tada! On va mettre de la mayonnaise partout. Mayo power. Oh punaise, ça commence fort. Trois marqueurs lourds et un sniper. Youpi. Alors est-ce qu'on va avoir suffisamment de ketchup ou alors est-ce qu'on va se battre contre des gens de l'équipe aussi. Ah, ça c'est toujours possible en fait quand on commence. Enfin pas quand on commence, il faut aussi tout le festival, il n'y a pas assez de monde. Alors par contre eux ils ont du bol, ils ont une team